Je vous porte dans mon cœur et c'est pour cela que je vous salue au nom de Jésus-Christ et je crois à la grâce ainsi qu'à la bonté de l'Éternel. Je sais que l'Éternel fera des grandes choses et des choses merveilleuses de Dieu vont se manifester dans votre vie. Et je bénis l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous a offert de se retrouver encore durant ces temps afin de prendre un petit moment de fortification, d'encouragement, de partage afin que la grâce ainsi que la bonté de Dieu s'opère dans votre vie. Et je rends gloire à Dieu pour l'opportunité ainsi que pour la grâce qu'il nous a offert afin de se retrouver parmi vous afin que nous puissions partager encore de nouveau la parole de Dieu. Je vous bénis, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la bonté de Dieu soit avec vous et que les bienfaits de Dieu s'opèrent dans votre vie aujourd'hui, à jamais, jusqu'à l'éternité. Je bénis pleinement l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous a offert afin de se retrouver parmi vous afin que nous puissions partager quelque chose. Aujourd'hui, je t'apporte une parole. C'est la parole que je vous apporte et j'aimerais te dire ceci. J'aimerais vous dire, c'est l'usure peut te séparer de quelque chose que vous aimez. Donc, c'est-à-dire, seule l'usure peut te séparer de quelque chose que vous aimez. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose que vous aimez beaucoup, et au moment de la destruction ou de l'usure de cet objet que vous aimez beaucoup, cela va t'obliger à se séparer de ce que vous aimez beaucoup. Mais j'aimerais te dire aussi, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Personne, aucune personne, aucun être ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, l'amour de Dieu est sur toi, Dieu vous aime et Dieu fait en sorte que l'amour de Dieu puisse entrer dans votre vie afin que vous receviez quelque chose de nouveau. Je vous aime tellement et je tiens à vous saluer et je vous porte dans mon cœur. Vous êtes loin de moi et beaucoup de vous, on ne s'est jamais vu. Mais je sais que la grâce de Dieu, que la bonté de l'Éternel est avec vous. Et je sais que l'Éternel est en train d'opérer des grandes choses dans votre vie. Et je sais que la grâce de Dieu domine et comble votre vie. Et je sais que l'Éternel fera encore des grandes choses dans votre vie. Voici un moment merveilleux que l'Éternel nous a donné afin de venir auprès de vous pour vous encourager, pour vous fortifier comme d'habitude. Comme j'aime toujours vous dire, chaque fois que l'Éternel nous donnera le souffle de vie, chaque fois l'Éternel nous donnera l'opportunité de venir auprès de vous, je viendrai pour vous soutenir, je viendrai pour vous encourager, je viendrai pour vous apporter des paroles de fortification, des paroles d'encouragement, afin que dans votre vie chrétienne, que vous soyez des femmes, des hommes victorieux et que la grâce de Dieu accompagne votre vie. Et j'aimerais vous dire quelque chose, peuple de Dieu, et je sais, et en vous, je vois l'amour de Dieu. C'est pour cela, chaque jour, je ne cesserai jamais de prier pour vous. Je ne cesserai jamais de vous porter dans mon cœur. Je ne cesserai jamais de partager la parole de Dieu avec vous. Parce que vous êtes une bénédiction pour nous. Vous êtes une bénédiction pour l'Église de Dieu. Vous êtes une bénédiction que Dieu nous a donnée et que nous puissions contribuer chaque jour et chaque temps dans votre vie chrétienne afin que vous avancez, afin que vous recevez davantage auprès de l'Éternel. Je vous aime tellement et c'est pour cela que je vous ai dit et je vous dirai tous les jours et chaque fois que l'Éternel me donnera le souffle de vie, je viendrai auprès de vous pour vous soutenir, pour contribuer quelque chose de nouveau dans votre vie, pour vous apporter de nouvelles choses dans votre vie, pour vous accompagner dans votre vie chrétienne, pour vous fortifier et pour prier pour vous exhorter, pour vous enseigner, pour vous donner des directives qui vont vous aider à recevoir davantage auprès de l'Éternel. Parce que en vous, je vois l'amour de Dieu. Étant donné que l'amour de Dieu est sur vous, je crois et que chaque jour dans votre vie, l'Éternel fera des grandes choses et chaque jour dans votre vie, l'Éternel sera votre soutien et que la fortification ou le soutien de l'Éternel viendra dans votre vie. Je vous aime et je vous porte à mon cœur et je ne cesserai jamais de prier pour vous. Et je vous demande aussi à vous de nous soutenir par vos conseils, par vos prières, de nous soutenir dans cette lourde charge que l'Éternel nous a donnée, que nous savons à l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va nous aider à nous fortifier pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Et vous devez savoir que nous sommes soumis par la volonté de Dieu. Si j'ai dit que nous sommes soumis par la volonté de Dieu, c'est-à-dire nous ne devons pas faire notre propre volonté, mais nous devons accepter la volonté de Dieu. Et vous devez se rendre compte, et lorsque le Seigneur nous a appris à prier, il a appris aux disciples à prier, il nous a enseigné, il nous a dit dans l'enseignement de la prière, il nous a dit que vous devez tous les jours, vous devez toutefois dire et que ta volonté soit faite là, sur la terre comme au ciel. Peuple de Dieu, dans ta vie, j'aimerais voir la volonté de Dieu. Dans ta vie, j'aimerais voir que tu puisses vivre des bénédictions de Dieu et que la main de Dieu puisse agir, te soutenir, te fortifier, t'aider
avancer et à recevoir auprès de l'Éternel. Et j'aimerais te dire encore, soyez fidèle à Dieu et restez fidèle avec Dieu et cherchez la face de Dieu. Parce que la Bible me dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et celui qui cherche l'Éternel dans tout son cœur, dans toute son âme, dans toute son pensée, l'Éternel se laissera trouver. J'aimerais te dire que nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui opère. Nous prions un Dieu qui agit. Nous prions un Dieu qui répond favorablement à toutes les demandes de ses enfants. Et je sais, et chaque fois, vous allez chercher la face de Dieu. Chaque fois, vous allez chercher la présence de Dieu. L'Éternel se laissera trouver dans votre vie. Voici un moment que Dieu nous a donné afin que nous puissions venir auprès de lui, afin que nous puissions amener nos pensées vers lui, afin que nous puissions revenir vers la parole de Dieu pour que nous recevions quelque chose d'extraordinaire, pour que la grâce, la bonté de Dieu s'opère dans notre vie. Et je sais que l'Éternel fera de grandes choses. Et je sais que chaque jour et chaque temps et chaque moment que vous allez passer et chaque temps que l'Éternel permet que vous recevez le souffle de vie, cela prouve que l'amour de Dieu est sur vous. Moi aussi, je vous porte dans mon cœur. Je crois à votre soutien et je crois à votre bénédiction. Je crois à vos prières. Je crois à vos soutiens et j'essaierai aussi, moi aussi, de mon côté, je ne cesserai jamais de prier. Donc, ça dit, si vous avez un sujet de prière, si vous avez des requêtes, si vous voulez être soutenu dans votre vie chrétienne, si vous voulez être soutenu dans la foi, n'oubliez pas à nous contacter rapidement. Et si vous avez des difficultés, vous avez besoin d'aide, nous serons là tous les jours, et jour et nuit, afin de répondre favorablement à toutes vos demandes, afin que nous puissions prier ensemble, afin que nous puissions vous soutenir dans des moments difficiles. La Bible me dit que le fort soutient le faible. Ma sœur, mon frère, si vous êtes fort, n'oublie pas d'apporter votre soutien auprès des faibles. Parce que l'Éternel fera de toi un être différent et que la grâce de Dieu et que la bonté de Dieu va se manifester dans votre vie. Voici et voilà un moment merveilleux que l'Éternel nous a donné. Et comme je vous ai dit, chaque fois que l'Éternel nous fera grâce, je ne cesserai jamais de venir vous soutenir. Je ne cesserai jamais de venir apporter quelque chose de nouveau dans votre vie à travers la parole de Dieu, à travers les prières, pour que la bonté de Dieu ainsi que la grâce de Dieu s'opère dans votre vie. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur et je crois et je sais que l'Éternel fera encore de grandes choses dans votre vie. C'est pour cela que je vous dis, je vous donne un bon conseil. Restez fidèle à Dieu et accroche-toi à Dieu car Jésus revient bientôt. Je viens de te dire que seule l'usure peut te séparer de quelque chose que tu aimes beaucoup. Mais j'aimerais te rappeler et que rien ne pourra te séparer, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et comprenez que chaque jour que tu te lèves, chaque jour que tu vois tes enfants, chaque jour que tu vois des bonnes choses de Dieu, chaque jour que tu vas au travail, sache que l'Éternel t'aime, sache que l'amour de Dieu est sur toi et que Dieu fera de toi une colonne de feu. Et chaque jour dans votre vie, vous verrez que nous servons, nous prions un Dieu vivant et vous allez expérimenter les bienfaits de Dieu et que la bénédiction de Dieu va vous accompagner tout au long de votre vie et vous ne cesserez jamais de célébrer le nom de l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour l'attention que vous accordez durant ces brefs moments. Je sais, par la grâce de Dieu, l'Éternel nous donnera encore l'opportunité de revenir vers lui pour recevoir quelque chose de nouveau, pour qu'il opère encore de nouvelles choses dans notre vie, pour que nous cesserons, pour que nous puissions bénir le nom de l'Éternel et glorifier son nom. Parce que nous prions un Dieu vivant. Il agit, il opère, il fait encore et il fera pour sa gloire. C'est pour cela, je vous salue encore une fois et je bénis l'Éternel. Je vous dis shalom et je vous salue et je vous porte chaque jour dans mon cœur. C'est pour cela, je ne cesserai jamais d'implorer la grâce, la bonté de Dieu pour que la gloire de Dieu s'opère dans votre vie. Et je crois par l'amour de Dieu ainsi que par sa bonté, nous allons encore se retrouver le plus rapidement possible afin de partager encore quelque chose de nouveau, afin que je puisse encore vous soutenir, contribuer, quelque chose qui va vous aider à recevoir auprès de Dieu toutes les bonnes choses qu'il a mis devant vous. Et priez pour nous, que Dieu vous bénisse. Nous aussi, nous allons prier pour vous et que la grâce de Dieu continue à demeurer dans vos maisons et pour sa gloire et pour sa bonté. Et cela au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Et j'espère vous revoir très prochainement. Et si le Seigneur ne revient pas demain. Donc, c'est-à-dire, en attendant, n'abandonnez pas la foi et restez fidèles à Dieu et accrochez-vous à lui pour que ses bienfaits s'opèrent dans votre vie et tous les jours dans votre vie. C'est là, au nom puissant de Jésus, je vous salue. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.
Vous êtes là dans mon cœur, je vous porte et je serai là pour contribuer pour l'avancement de votre vie chrétienne. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.